Alors voilà un élément perturbateur du club de Meun. Tan tan tan, Yvon. Tan 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 tan. Bonjour. Coucou. Alors on découvre au rassemblement une superbe collection de d'antiquités de camions de pompiers à faire rêver tous les pêcheurs, encore gamins, collectionneurs de trains et autres. Oh, c'est trop génial. Donc je vous donnerai pas l'adresse. Hein. De toute façon, il n'y a rien à vendre. Waouh. Un trésor de vieilles choses. Vive les sapeurs-pompiers de Meun-sur-Yèvre. Quoi? Attends, je trouve qu'il est photogénique. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hé hey Manouche! Alors René a disparu, mais où est-il? Dans les camions? Il est où? Il est pas là-haut? Il est pas là-bas? Ah! Ah! Mais il est là! Non, là. Explique-nous un peu ce qu'on va mettre dans l'eau aujourd'hui. On va mettre un diabolique. On va pas parler. Ah, aujourd'hui c'est diabolique. Alors. Alors donc, un petit peu de diabolique là. Elle est comment crue? Fais voir comment elle est crue. Ah, oh, elle est crue, elle est... Non, mais là, crue, elle est pas mélangée. Non, avant, je croyais, fallait croire. Elle est crue, elle est cuite. Elle est crue, mais fallait croire. Donc, il y a un peu de terre avec. Ah, il y a un peu de terre avec, et puis, les ingrédients, on les connaît pas, hein. Bah non. Puisque ça vient de la Diablonie du Sud. Ah. Bah, Diablo. Ça, c'est la terre à lapin, et ça, c'est la terre à lapin du Gilles Lanois. Elle est pas trop belle, quand même, hein. Ah bah, va lui dire ça, pauvre vieux. Bronzé. Champion du monde. Ah, elle sent moisi en plus. Ouais. Et puis ça, c'est... Ah, ça, c'est... On ne peut pas en parler de ça. On ne peut pas en parler non plus. Bon, voilà. Ça, ça sert à rien. Bon, les diables noirs commencent à nous amuser. Aïe. Les gamins sont arrivés. Regardez à quoi ça ressemble. Je suis redémarré à 6h. Très bien. Il a reparti avec ça. Voilà. Voilà, voilà. Allez, comment bon. Tu veux gagner quelque chose, toi? Comment tu veux gagner quelque chose? Eh ben, elle est belle, la France. Ça va s'arranger, Jérôme, ça s'arrange. Elle est belle. Non, mais tout s'arrange. S'il pleut pas, c'est bon. Non, je pense que... Sinon, il pleuvait, hein. Regarde, il y a... Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, cette amorce? C'est quoi, ça, René? Ah, j'en sais rien, ça doit être des venteux, mais pas de la diablonie du Sud. Ils vont pêcher, ils vont pêcher avec du fouillis. Juste pour à l'hameçon, quelle honte. Oui, mais, c'est combien l'inscription? Ils nous feront tout faire. Hein. Donc, je te donne l'inscription. Okay, l'inscription de Jérôme, comme ça, c'est moi. Pour ça. Comme ça, c'est fait, voilà. Ça marche. Ah, mais il y en a des billets dans... Ah bah c'est... Dans c'est à nous. Bon alors, la tactique, qu'est-ce qu'on va faire de cette aile pourrie, Thierry? Alors, fais voir. Alors, en réalité, on a un numéro 1 qui gagne jamais, un 15, un 4 et un 16. Le yo, il est là? Il est pas là, le yo? Non, il est pas là. Donc, justement, on va lui foire. C'est une bonne aile. Et comme ça, bah, il va pêcher tranquillement, sans pression. Et puis, on va lui dire que c'est pour son palmarès. C'est pour son palmarès en équipe de France, parce voilà. Qu'il peut mettre les classements de Charles Chansas. Et puis, bah, on verra bien ce qu'il fait. Ah, le branleur. Oh, putain, il a intérêt de gagner. On va essayer, on va essayer. Hey, c'est pas des copains ça? On t'appelle ça des copains, vous êtes chiés pour le petit jeune. Si je suicide, vous en êtes responsable. Alors yo, est-ce que tu es content de ton secteur? Magnifique, je suis content. Ils sont arrangés pour me donner la plus belle misère. T'as encore une aile? Encore? Que vous m'avez donnée? La première aile, oui. Oh. Bah, dis donc, hey, tu dis pas souvent merci, hein? Non, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez mis à 3 pour me retirer. Ah non, ça c'est Thierry. Ah, non. C'est Thierry, il y a des témoins. Et on t'a mis dans le meilleur secteur, donc voilà. Potentiellement, si tu gagnes ton secteur, la plus mauvaise place tu peux gagner l'individuel. Le meilleur secteur. Pour être en première ligne. Monsieur Jérôme. Alors, que pensez-vous de votre place? C'est quoi, le piège? Le piège? C'est l'odeur de la station d'épuration. Et puis la distance de pêche, hein. Ça surprend, hein. Donc là, on peut remarquer qu'il est très bien installé, hein. Ah oui. Il manque plus que les poissons. Ah ouais, mais ça a une drôle d'histoire, votre concours, là. Un peu trop loin du mur. Le mur, il est sur la gauche, hein, normalement. Donc on m'a dit que les ailes étaient difficilement battables, et puis le mur aussi. L'aile amont.
Les Lamont, normalement, doit gagner. Eh ben, on va essayer de faire mentir tout ça. Exactement. Mais il y a 60 cm d'eau. Ah, c'est bien déjà. Et puis on pêche à 7 mètres. Ça fait drôle, hein. C'est le canal de Meun. Eh ben, les diables noirs vont briller dans le canal de Meun. Faut espérer. Donc on peut voir notre néné en pleine discussion. Hyper motivé. Hein, c'est pas comme son collègue d'à côté qui est complètement dépité. Donc monsieur Néné, oui. Vous avez mis quoi comme ligne? Comme d'habitude, que des grosses. Que des grosses, hein. 4-10, 4-12. Ouh là 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 là. Allez, faites-nous voir un peu. On m'a dit que c'était terrible. Voilà, j'ai mis un flotteur en plume de pigeon. Ouh là, oui, vous remarquez. Ça cause, hein. Oui, ça cause. Hein. Ça cause. Ça cause. Ça cause. Et ensuite? Les fétiches. Des plumes belges. Plumes belges. Des gobères. Ouais. Des gobères. On ne les trouve plus, les gobères. Ouh là là. Oui, effectivement. Oui, c'est du... fait maison. Ah, fait maison. Mais bon, faut quand même admettre que le quinci nous fait mal à la tête. Hein. Ah, oui, il fallait pas tant boire que ça. Tant boire. Au-dessus de 2 litres, c'est pas tant boire. Petite consommation, 2 litres. Ouais, c'est petit. Hein. On n'était pas trop en forme ce matin. Et vos verres de vase, alors? Ah, ben j'en ai pas. Il n'y en a pas. Non, je lui disais que j'en avais pas beaucoup. Oula, oui, super. Grand chose quand même. Super, si, super, ben, ils sont jolis. Hein. Oh, 300 verres là? Oh, oui. Oui. Un bon 300. Alors, toujours dans la préparation, monsieur Cartounet? Je connais bien la préparation. Alors, tu sens comment? Hein? Tu y sens comment? Bon, ils vont trier. Ils vont trier? Ouais. Bon, t'as encore une aile, je vois ça? Oui. Si? C'est la première en 5 ans. Non. 4 ans. Alors t'as mis quoi comme poids de ligne? C'est quoi? Comme poids de ligne, c'est ce qu'il y a marqué dessus. Hein, c'est quoi cette petite ligne? 0,30. C'est des vieux du fils pour faire de la pub. Bouge pas, comme ça je filme. Des vieux du fils. Oh, ils sont jolis. Ouais, c'est pas mal ça. Ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Bien. Ils sont bien. De toute façon, quand ça s'enfonce, hein, ah bah. Tu fermes et normalement, si c'est moi, je rate. Ou je décroche. Là-bas. Ah, il cherche. La boîte à bas de ligne. Ouais. Ah, voyons voir, la boîte à bas de ligne. Ouh là là, très bien rangé. Il y a des gars qui ont ça à faire au boulot. Hein? Ah, je suis pas dans le bon sens. Il y en a dans tous les sens, je crois bien, oui, des là, étiquettes. Dans tous les sens. Des VMC, des Sansa, des Drenan. Des Gamakatsu. Gamakatsu aussi. Si, j'y tiens. Oh, c'est japonais ça, Gamakatsu. Ah, bah oui, c'est. Hein? Peut-être qu'on va en avoir maintenant, je pense, pour fournir les magasins. C'est beau, hein. C'est beau, c'est superbe, on voit que... Ouais. Voilà, on va se rapprocher un peu. Hein. Des clous, bien brillants. Une belle boîte sans sas. Jean, si tu m'écoutes. Belle boîte sans sas pour pas faire de pub. Ah, c'est superbe. Voilà. Bon, et bien merci, du renseignement. Non, monsieur Bertin. Oui. Parlez-nous de votre pêche du Nord. Oh, ben vous savez, la pêche du Nord, c'est spécial. Hein. Faut surtout en parler à monsieur Lagarde. Il a dû faire, si ma mémoire est bonne, avant-dernier, antépénultième.